Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis là pour refaire ma vidéo, ma collection de vernis parce que dans le fond je viens juste de finir des échantillons. Donc j'ai mis deux couches, fait que c'est la même couleur du flacon, fait que vous pouvez voir que c'est la vraie couleur quand on met deux couches sur vos ongles. Alors je vais commencer, je vais piger un vernis dans n'importe lequel. Voilà. Donc celui-ci. Je vais vous donner la référence sur le papier. Je vais vous dire la couleur. C'est celui-ci. C'est le MP437 Color Case Paradis Pink. Donc, sur les ongles, deux fois, il fait ceci. Donc, les couleurs ne ressortent pas pareil comme dans la vraie vie. Donc, comme à la face qu'on a. Ça ressort pas pareil, mais quand même. Donc, c'est cette couleur. J'ai mis deux couches. Après, je continue avec ce vernis. Donc, ce vernis, je n'ai pas trouvé vraiment de référence. J'ai juste trouvé en dessous, mais c'était très difficile. Donc, je vais vous nommer. On n'en trouve plus, mais je vais vous dire pareil. Donc, il doit être quelque part. Oui, il est ici. Donc, c'est le 98 Work Win. Donc, j'ai mis deux couches. C'est cette couleur. Les références sont ici. Et c'est cette couleur. Je prends un autre vernis. Donc, celui-ci, le couvercle, il s'est comme enlevé. Et c'est très dur de l'ouvrir. Donc, c'est... Attendez que je trouve. C'est le 10 Nail Polish. Donc, je n'ai pas trouvé le nom, mais la marque, c'est ceci. Donc, ça fait deux fois sur les ongles. Donc là, c'est un vernis paillette. Hein. Je vous le dis, c'est la paillette totale. Donc, c'est le 10. Donc, si vous ne trouvez pas de fil, prenez un ruban, décorer les cadeaux. Ça fait aussi l'affaire. Voilà. J'en prends un autre. Donc... Celui-ci, c'est la même marque que celui-ci. Dans le fond, c'est un bleu à paillettes. Comme ceci. Donc, vraiment paillettes encore. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je l'ai trouvé. C'est le MP048. C'est Color Case encore. Il n'y avait pas de nom, celui-ci. Donc, ça fait deux fois sur les ongles, ceci. Donc, la paillette bleue. Donc, ça fait vraiment paillette. Voilà. Je vais prendre un autre au hasard. Donc, j'ai la chaîne anglaise rouge. Mais vous voyez qu'il est à moitié. Donc, il faudrait que j'aille en racheter parce que j'ai... ma gardienne d'enfance m'a offert un cadeau. C'est deux chaînes anglaises et l'autre, c'était à paillettes. Et je l'ai donné à mon ami pour sa fête. Mais... vraiment, là, c'est une bonne marque. Vraiment, c'est une très bonne marque. Et ça fait aussi très bien pour les Water Marble. Donc, si vous savez pas c'est quoi, allez voir. Oh, il est collé. Avec l'autre. Oui, il est ici. C'est le 1111 Red Satin. Rouge satin, dans le fond. Et ça fait deux fois ceci sur les ongles. Bon, attendez. Il est comme parti. Donc, ça fait deux fois... ici, le rouge. Et voilà. Les trucs. Et c'est un très beau rouge, franchement. Et avec les deux vernis, j'avais eu un petit nounours. Il était trop choupinette. Enfin, je l'ai gardé. J'ai un Nicole que ma grande soeur m'a donné. Donc, il est très liquide, mais il fait très joli. Donc, il est comme ceci. C'est les nouveaux. Là, désolé, j'étais concentrée. Il est à quelque part. Il est où ce truc? Non, oui, je l'ai ici. C'est le 349 Rich and Spirit. Je suis pas très forte en anglais. Donc, c'est le bleu à paillettes. Donc, il y a quand même beaucoup de paillettes. Donc, à chaque couleur, j'ai mis deux couches. Hein, je vous rappelle. Donc, si vous mettez une couche, ça va être moins, ça va être plus translucent que ça.
que notre ombre va plus paraître. Donc voilà. Celui-là, je l'adore, c'est Jordana. Donc les Jordana, moi je prends Dollarama 1,99. C'est un pêche dans le fond. Est-ce que c'est celui? Ah non, c'est pas lui. Parce que j'avais sur mes ongles d'orteil, donc il m'en restait un petit peu. J'aurais pu vous montrer, mais c'était pas lui. Il est à quelque part. Si vous entendez de la musique, c'est normal, c'est moi qui l'ai mis. Putain, il y en a qui sont collés. Feu du chocolat. C'était celui qui était pas encore sec. Bon, ben, il va rester comme ça. C'est lequel que j'avais dit? Ah oui, c'était le Jordana. Donc, vous pouvez passer cette étape-là si vous trouvez ça trop long. Donc, il est à quelque part ici. Oui, oui, il est ici. Ah non, c'est pas lui. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai pourtant fait. Oh oui, il est ici. Donc, c'est un petit peu long de chercher quand même. Donc, c'est le 976 Tanguy. Et ça fait deux fois ceci sur les ongles. Voilà. Et je vais vous en présenter un autre. Le noir de Sinful Color. Donc Sinful Color, c'est une très bonne marque aussi pour les Watermobile. Ceux qui aiment faire des Watermobile. Donc China Glaze et Sinful Color, c'est les meilleures marques. Voilà. Et c'est à vous de tester aussi des fois. Donc le noir il est ici. Donc c'est le 103 Black on Black. Et il donne deux fois ceci. Donc il y a des noirs qui sortent plutôt gris quand même de couche. Fait que c'est pour ça que je vous demande pareil. Qu'il fait ce beau noir intense. Un autre Jordana. Donc ce Jordana là je l'avais pris pour la Saint-Valentin. Vous allez comprendre. Plein de petits cœurs et il donne une petite couleur rosée, donc votre ongle va quand même paraître. Mettez juste une couche parce que sinon les cœurs, mais dans le fond, les cœurs vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est votre choix. Donc, c'est le 674 Red of Earth de Jordana et j'ai mis quelques petits cœurs avec des petites paillettes. Voilà et. On va passer à un Continuous Color. C'est 3 en 1. Je sais pas pourquoi il appelle ça le 3 en 1. Je pense que ça sèche vite. Je vais vous le montrer. C'est le 132 bleu électrique. Donc c'est ce bleu ici. Voilà. Je vais continuer avec un Revlon. Donc, les Revlon, je pense qu'ils coûtent 3,99€, un truc comme ça. Mais c'est ça parce que ma mère, elle avait enlevé le prix. Elle me l'avait donné à ma fête. J'étais pas capable d'enlever tout. Donc, je vais vous le présenter. Excusez-moi. Ici. C'est le 420 Cooper Glaze Platinum Revlon. Donc c'est ce bronze argent. Voilà. Je continue toujours avec un Sinful Color. Donc lui, il est parfait pour Noël. Je l'ai acheté pour faire un manucure, mais j'étais pas capable de la faire. C'était comme une boucle avec plein de petites paillettes et la fille. Cherry Nail Art l'avait utilisé pour ce nail art. Donc c'est à paillettes, donc comme ceci. Voilà, c'est une couleur color. Donc je vais vous montrer le swatch que j'ai fait. Il est ici, donc j'ai mis deux couches équivalentes. Les petits cœurs, je n'ai pas mis deux couches parce que ça donnait à rien. Donc deux couches pour le Sinful Color 923 King of Beauty. Donc c'est le comme ceci, la paillette. Et voilà.
Et Cherry Nylat, j'ai pris son idée de faire le petit feuille parce que moi, à chaque fois que je fais mes ongles, j'ai jamais. Je suis tout le temps mélangée, je sais jamais quoi prendre. Donc là, je sais tout le temps quoi prendre. Donc, je vais continuer avec la marque préférée de ma mère pour son linge. Additionnel. Donc, il est sur le dessus, c'est pratique. Donc, c'est le Plum Dandy. Donc, je peux pas vous donner le numéro et c'est additionnel. Et ça fait ceci. En France, il n'y a pas d'additionnel non plus. Donc ici, dans le fond, c'est comme un petit peu plus pâle, là, désolé. Mais sinon, j'ai bien mis deux couches. On va continuer avec un Sally & Sense. C'est un orange. Bon, ici, c'est le 150 Sally & Sense Sun Kissel. Donc, c'est un orange. C'est terminant, la voisine. Son chien arrête pas de japper. Je sais pas si vous l'entendez, le chien. Hein. C'est un. Comme ceci. Voilà. On va continuer avec un Revlon en ton or. Voilà. Il est où ce petit? Oh, il est ici. C'est le 900 Gold Get In Revlon. Et ça fait ceci. Deux couches. Hein. Comme toujours. Donc, il y a comme des petits reflets. Multicolores. Non, pas multicolores. C'est dans l'autre. Oui, un petit peu. Voilà. Un Sinful Color. Celui, je l'adore. C'est un jaune qui fait un effet mat. Et si vous voulez qu'il reste mat, vous mettez pas de top coat ou vous mettez un top coat mat. Voilà, il est ici. Sur le papier, il fait mat en plus. C'est le 1485 Solar Flux. C'est une full color. Donc, désolé, une trace de doigt. Je voulais voir si c'était sec, mais je l'avais pas bien. Donc, là, vous voyez pas que c'est mat, mais c'est un mat. Donc, si vous êtes forte en anglais, slick, mat. Voilà. C'était les nouveaux, puis ils étaient 2,99. Donc, les Sinful Color sont 2,99 chaque. Ils sont pas en rabais, ils sont comme ça, donc c'est pas cher. Allez en prendre. Si vous êtes folle du vernis. Donc, je vais continuer avec un Ardenne. Donc, c'est le Party Girl, donc il n'y a pas de numéro. Donc, il est rose comme ceci. Voilà. Je vais continuer avec un Sinful Color. C'est un bleu, comme ceci. Donc le rose, je sais pas si vous voulez le montrer, mais le flacon, il est comme ça. Voilà. Donc le bleu, il est comme ceci. Donc c'est pratique parce que China Glass, Sinful Color et Revlon, ils ont les numéros. Puis d'autres marques aussi, hein. Mais voilà. C'est le 1106 Cinderella. Quand je vais vous montrer la référence, puis le bleu en question. Donc c'est pas la banderole en bleu foncé, c'est le bleu pâle de couche toujours. Je vais continuer avec un Ice Lick. Donc c'est mon ami qui m'en a échangé. Donc si le flacon il est comme tout sale, mais c'est pas grave. Là. Ils sont vraiment la couleur. Donc il est au centre, il est au milieu. Là. Je l'utilise, mais pas tout le temps non plus. Ouais, ils sont restés là ceux-là. En tout cas. Je vais vous montrer. Donc, il est ici, ce beau or. Donc, ici, c'est celui qui collait tantôt. Donc, c'est le 140 Nice Slick et c'est un givré. Voilà, c'est un comme ceci. Donc, c'est l'autre papier qui a collé en dessous, mais référez-vous au plus foncé. Donc, voilà, comme ceci. Je vais vous présenter un Ardenne. Donc, c'est ma grande soeur qui me l'a donné. Et, je vais vous montrer celui-là qu'elle m'a donné aussi. Ok, il y en a un qui a comme disparu. Hein. C'est pas possible. Attends, là. Ah non. Donc, celui-là, c'est ma grande soeur qui me l'a donné. Celui-là aussi. Non. Celui-là, c'est ma mère qui me l'avait donné à Noël. Puis, elle m'en a donné aussi. Elle m'a aussi donné Nicole. Comme ceci. Donc, là, elle m'a donné un verre trop beau. Mais il faut mettre deux couches parce que sinon, il fait transparent. Donc, c'est les anciens noms d'Ardenne. Donc, c'est leurs anciennes étiquettes. Donc, il est ici, c'est le
9A5036, Ardennes, donc il n'y a pas de nom. Fait qu'il fait ça, de couche. Là. Je vais continuer avec un SI. Donc celui-là, je ne le mets pas souvent, mais quand même. C'est la couleur 36, Where's my chauffeur? Donc, c'est celui-ci, le bleu. Je vais continuer avec un Suzy. Donc, je l'ai pris au Urban Planet. Et 5 piastres pour deux vernis, franchement, c'est pas cher. Et c'est comme 2,5 piastres pour un vernis. Oui, il y a des paillettes. Donc, ma mère l'avait mis au party de Noël à mon père avec un ornement en dessous. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans le fond, il y a comme. Si vous voulez pas mettre de vernis, genre, ça fait comme une petite teinte de mauve. Donc, j'ai mis deux couches, je pense. Donc, les paillettes sont comme ceci. Et il y a comme une petite mauve vraiment, vraiment pâle en dessous. Fait que si vous voulez pas mettre du vernis full flashy, ben, je vous recommande celui-ci. Et ceux qui n'ont pas d'Urban Planet, ceux qui habitent en France, commandez. Ça vaut vraiment la peine. Je vais continuer toujours avec, chez Urban Planet. C'est une autre marque. Donc, c'est celui que j'avais pris pour le 2 pour 5. Et c'est un vert sapin. Je vais vous le montrer. Là, il n'est pas facile à trouver celui-ci. Donc, il est ici. C'est le 45 Green Cherry Moya. Donc, c'est un vert. Je continue avec deux vernis craquants qui viennent de chez Ardennes. Donc, les craquants, dans le fond, ça fait pas sur les papiers. Je vais vous montrer le noir craquant. Donc, j'ai écrit craquant dessus. J'ai mis une couche, hein, craquant. Et le bleu. Donc, mettez une couche, hein, craquant, vous mettez jamais deux couches. Donc, c'est le bleu. Donc, je vais vous montrer la bouteille. Donc, le bleu, il y avait un petit papier, donc je peux pas l'enlever. Et c'est un bleu comme ceci. Donc, il y a du craquant ici. Il faut mettre la couleur en dessous et le noir. N'y a pas de numéro. Oui. Oui, c'est. Non, non, non. Attendez, je cherche. Ben, c'est Int Navy, le bleu. C'est Ardennes. Et l'autre, le noir, il est où? Il est où, le petit noir? C'est le black. Donc voilà. Ce qui était écrit sur le papier. Donc, trois derniers. Donc, j'ai un Jordana. Un Jordana avec plein de paillettes. 1,99 au dé pas au dépanneur. C'est ça, au Ultra. Dollarama. C'est un 975 Jordana Coral Spike. Donc, deux couches, ça fait ceci. Donc, je l'ai en dessous des décorations. Vous allez mieux voir celui-ci. Donc, voilà. Un Sally and Sense, un bleu, que j'avais mis pour mon autre décoration de Noël. Vraiment, c'est des bons vernis, celui-là, le Sally and Sense. C'est le 260. Ivy League, et il donne ceci, deux couches, hein. Voilà. Un autre additionnel, donc celui-ci, c'est le Vampy additionnel, et ça fait ceci. Celui qui a plein de reflets, là, vous allez pas voir. Donc, c'est fini pour la vidéo. Si elle a été un peu longue, désolée. Je sais, c'est 19 minutes là, qu'on a à date. Donc, voilà. Et abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez. Et j'espère que vous avez aimé. Je vais faire d'autres vidéos aujourd'hui. Et je pense que je vais montrer mes pochettes iPod. Puis qu'est-ce qui s'est passé pour mon iPod, c'est tout amoché. En tout cas, je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Bye!